Et bonsoir à tous, on est dimanche, n'importe quoi. On est lundi soir 6 juillet, je suis un peu décalé. Ça fait presque une semaine que j'ai pas streamé pour cause de Japan Expo. Oh, c'est bien éclaté. Donc là, on reprend. J'ai fait le nouveau programme pour la semaine. On alternera entre du FF14 et d'autres jeux. Suffit de regarder sous le live. Où il y a tout le programme détaillé. Voilà, il y aura du Macross, du Euro Truck, du City Skyline, et puis du F14. Alors, je vous mets le jeu dès que ça arrête de ramer de nouveau encore. Ça n'a pas changé, XSplit est toujours aussi pourri. Voilà, c'est trop tôt. Bon, moi ça rame pas. Alors, on va vérifier que sur le retour, on a bien le son. Donc, on va commencer par les journaux, comme d'hab, pendant une heure à peu près. Donc, j'ai toujours mon barde, ok. Donc, on va faire. Comment il y a du monde? Ils sont encore 60. Le retour, ça fonctionne. Donc oui, journal. Donc on commence par l'émission de bas niveau. Ça va popper direct à mon avis. Tiens, on va aller voir si on a gagné de l'argent. Mon cerveau est pas totalement connecté encore, donc ça va faire. Ça risque d'être un peu problématique, hein, mais on va y arriver. Pendant Japan Expo, donc j'ai un peu squatté le stand de FF14. J'ai pu tester entre autres la tortue qu'on peut récupérer. C'est là. La tortue qu'on peut récupérer en récompense du Gold Saucer. Ouais, elle est moins impressionnante que ce que je pensais. Hein, mais... Surtout pour le prix qu'elle a. Mais bon, on va faire avec. Hein. Le jour où j'aurai 1 million de PG et machin là pour l'acheter, c'est pas de 20 veille hein, vu que j'en ai que 109 000. Wally voilou. Sinon c'était assez cool. Il y avait une partie découverte du jeu avec un don à 8 de Gilgamesh. A pas été très dur vu qu'à peu près tout le monde qui était avec moi connaissait. Et ensuite je suis allé faire un don de Shiva, donc pareil, pas très dur, il était en brutal, mais avec on avait du super stuff. Et puis pareil, je suis tombé avec une presque une guilde complète, enfin les 5 persos d'une guilde, il y en avait deux autres qui connaissaient plus moi, donc au final on a tombé assez facilement. Est-ce que je vais aller là? Ça pop pas là. Que se passe-t-il donc? Il est lundi soir. Allez, mini Kekpo. Tac, c'est que de la merde. 8-10. On va tenter celui-là. Ouais, allez, c'est rentabilisé. C'est de la merde aussi. Allez, au pifomètre. Ouais. C'est remboursé aussi. Là. Ah, c'est compliqué là. Il y a trois choix. Ce sera pas celui-là, donc il reste plus que est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là. Allez, on va tenter celui-là. Bon, c'était aucun des deux au moins. Et l'autre 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'aurais gagné plus d'argent en faisant l'autre, c'est pas grave. Alors, niveau un peu tout, où est-ce qu'on en est? Parce qu'il va falloir du. Qu'est-ce que j'ai lancé? On s'en fout de ça. Surtout qu'on n'a plus besoin de la boussole, je crois que je remette un autre raccourci là.
pourrait remettre celui-là. Non, c'est pas ça. Ça. Ah, ça j'ai raccourci pour le griffon. Voilà. Alors, ensuite, donc maintenant que ça pop, hein, on va faire les deux journaux. Il va me falloir des trucs de guilde. Est-ce que quelqu'un est tout qui s'est connecté Pas des masses, hein. C'est pas un déchet de nouveau. Hein. Ah, mes vendeurs, où est-ce qu'ils en sont? Parti, il faisait chaud, mais je suis revenu à Lyon, mais il fait encore plus chaud, c'est abusé. Je vais aller chercher une serviette. Hop, je reviens. Hop, je reviens juste quand ça pop. J'espère que c'est pas l'autre mission de merde. Hein. D'après l'image, non, mais bon, on verra bien. Quelle difficulté? J'en sais rien. Ouais, niveau 36, c'est le facile. C'est qui? Oh, bon, c'est le DPS en plus. On s'en fout. Bon allez, fais ta cinématique le mec, on se fait chier là. Hop. Bon, moi j'ai tout bien remis, hein. Vous m'entendez. Fait. On peut rot, on peut rot. Un petit bonus et tout. Ok, go. Bon, je vais en profiter pour voir la strat, vu que c'est la première vidéo que je vais faire dessus. Ça sera pas très compliqué, on évite les AOE. Voilà. Ah, puis au mieux, il faudra DPS, c'était quoi, c'est son cœur, rapidement. Et puis... Walou. Il enferme aussi des gens. Pour un DPS, le coco. Bon, rien de compliqué par rapport à... un titan brutal, lui. Oui, ça c'est normal. Extrême, j'ai pas fait.
Ah, mais Titan Brutal, c'est que de là où. Chiante à éviter. Alors, restez pas trop loin du heal. Attends, la vitesse où il tombe. Je vais garder mes buffs. Pour l'instant, il est là où pour quoi. Ah, ça y est. Ah, oui, c'est vrai qu'il va au centre. Voilà, donc il fait aussi ça, faut aller le plus loin possible, mais pas sur le rouge. Voilà. Parce que plus t'es prêt, plus ça fait mal, voilà. Comme le monsieur qui est en train de mourir là. Voilà, il fait ça, qui nous éjecte en dehors du truc, hein, mais c'est pas bien grave. Si on va sur le truc rouge, en fait, on est éjecté dans le vide, intersidéral. Et on peut pas être raise. Ce qui est embêtant. Si on se prend le là où eux là, on se fait éjecter dehors, on peut pas être aise, c'est chiant aussi. Mais sinon, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Faut juste faire gaffe. Le plus chiant et inquiétant, c'est le lag AOE, ça c'est le pire. Mais surtout en brutal, parce qu'il y a vraiment masse d'AOE qui s'enchaînent et faut les connaître par cœur en fait. Si tu connais pas les AOE par cœur. Hein, hop. Là, le cœur. Allez, c'est parti. Ah putain, c'est moi qui vais enfermer. Non, c'est lui qui va enfermer, c'est bon. Hop, on délivre vite le monsieur. Putain, je n'ai jamais défoncé aussi vite le truc. Bon, j'ai mis à 100%, mais on va dire que lui il gère. Sachant que si on n'a pas défoncé le cœur avant qu'il ressaute, wipe. Hein. Ouais, bon. Voilà quoi, c'est GG easy, là on va tous sur le heal. Enfin lui il est là, hop. Ça le heal. Il nous re-heal, hop, et c'est reparti. Non, c'est plus que pareil qu'avant, de là où il renfermera quelqu'un à un moment. Et puis, il va mourir, hein, tranquillou. Hein. On a passé la phase la plus compliquée. Ah oui, il commence à faire des AOE rondes. Oh. C'est pas non plus la mort. Hein. On reste éloigné pour éviter d'être tout dedans une fois que. Mais... Après, il tape aussi de plus en plus fort, de plus en plus vite. Avec l'huile qu'on a et tout. Vraiment pas compliqué. Bien sûr, ne pas lire le chat pendant qu'on combat parce que ça peut pop des trucs. N'est-ce pas? Hop, là je suis en plein dedans avec le lag, je me la prends, mais bon c'est pas grave. C'est juste... Ah bon, bon j'avais même pas vu. J'avais même pas vu qu'il était prisonnier. Oh bon, il se fait énerver. Il a tué tellement vite que j'ai même pas eu le temps de la taper le truc. Il va en faire une deuxième, à mon avis, il va mourir avant. Ah bah je l'ai élevé. Je l'aurais tenté, mais bon. Allez, donne. C'est vraiment pas compliqué, hein. Allez, tout est nouveau, t'auras le droit à un truc, c'est vrai qu'il n'y a pas de machin. Un écart pratiquement imperceptible, c'est pas gentil ça. Hein. 100 000 mots quartz. Ouais, ouais, hop. Ça, c'était GG easy. Alors, on va attaquer le défi maintenant. Hop, le défi, parce que de toute façon les hauts niveaux je peux pas les faire, il m'en manque, ça c'est naze et ça c'est naze. Participer, merci. 5 minutes, ça va. On se tapait le dragon de toute façon comme d'hab, hein. Je commence à avoir l'habitude.
Oh, j'en ai marre de son ventilo qui souffle de l'air chaud. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais regarder combien d'argent j'avais. Donc, 126, pour l'instant, c'est pas des masses. Hein. Le but, c'est d'arriver à. Je sais plus, pour l'instant, j'en ai un. C'est d'arriver genre. Ouais, un petit. 300, je crois que c'est le suivant. Le chapeau il est moche, mais. Ça va être chapeau ou pantalon. Le chapeau il y a 200, 200, 200, 400. Ouais, on va faire les gros, donc on va faire le pantalon. Vachement grand chose de pantalon sur ma jolie robe. Fatigue. Bon. Quoi les trucs, il est à 2h et à minuit. Je pense que c'est toujours la même chose hein, qu'il faut ramasser. Du minerai de cuivre jaune, tout à fait, et du figue. Ouais. Le quartz jaune, j'ai pas encore fait parce que je sais pas encore où c'est. Non, je vais pas me faire chier. Non, on va pas. Parce que je sens que je vais être transformé. Je vais être en train de taper les trucs. Ça va pop. Il va falloir que j'annule. Ça va être chiant. On va attendre un petit peu. On va être patient. Franchement, moins de 20 minutes, on a fini le premier. On a eu la chance d'avoir une instance. Un défi. Hein. C'est plus un défi qu'une instance d'ailleurs. Hein. Je sais pas pourquoi c'est classé là-dessus, mais bon. Ça va encore être le dragon. Hein. On fait que ça depuis. Ah bah voilà. Alors, ça sent le dragon. Non, ça sent. Je sais pas trop quoi. Bizarre. On va voir. Surprise, surprise. Super du retard sur le flux. Alors, qu'est-ce qu'on s'en va être? Shiva, bon, je l'ai fait ce week-end. Je l'ai tombé à Paris, c'est nickel. Bon, bah, c'est bon, hein. J'ai révisé ma stratégie, hein. Japan Expo. Hein. J'ai même le t-shirt, hein, donc c'est bon. Normalement, je me repens. Hein. Peut-être pas le même stuff, mais bon, avec le level cap, je pense que c'est à peu près pareil. Donc Shiva, elle va avoir deux formes, une forme de mage et une forme d'épée. Voilà, donc déjà elle fait des petits cercles de merde, il faut pas être dedans. Voilà. Ça c'était en forme de mage. Donc la petite icône sous elle, elle a la forme de mage, la petite icône qui se balade en plus, c'est génial. En forme d'épée par contre, il faut être pas qu'à elle, derrière elle. Alors ça j'ai tout compris elle là-bas pour eux. Rester là, hein. Là elle est en forme de je sais plus quoi, elle est en forme de d'épée, pas enfin, d'attaque.
pas trop loin, voilà, parce que c'est les AO sur le côté, mais c'est chiant. Voilà. Ça fait pas qu'à elle. Là, oh ouais, déjà aux élémentaires, oh putain, ça allait vite, eh. Là, on ramène tous les élémentaires au centre. Et on a où ? Le but, c'est de tout tomber avant qu'elle fasse son invoque. Plus il y aura d'élémentaires vivants, bah, plus ça fera mal. Ouais, bon, alors déjà, je peux dire, on est mieux stuff que le stuff qu'on avait d'office à Japan Expo, parce que les élémentaires meurent 10 fois plus vite, hein. Alors, elle met de la glace aussi sur le sol, c'est super chiant. Ça. Après, on va tous se regrouper parce qu'elle va invoquer. Elle va nous geler sur place. Ah, bon, on a perdu un, mort. Bon, bah. On va venir ici parce que voilà, c'est. Il fout de live juste avant le truc, heureusement. Donc là, elle a gelé tout le monde. Et maintenant, elle va nous foutre plein la gueule. Mais comme il n'y a plus d'élémentaire, bah. Ça fait pas mal. Voilà. Allez, Shiva, c'était sympa, hein. Allez. Maintenant on t'en remet plein la gueule, d'accord? Voilà, on met tous les buffs. Non, j'ai plus de buffs en fait. J'essaye de pas être dans les cercles. Là je joue pareil, hein. Je sais pas où il faut qu'on se mette, bon, pas grave, hein, les heals, on leur tape. Bon, il était mort, hein. Les morts étaient trop loin en fait. Juste surveiller quand elle repasse en forme d'image. La musique est cool, elle est pas très forte, hein, désolé. À un moment elle va geler le sol, alors ça je me souvenais plus. J'étais un peu surpris, j'avais que c'était bien chiant. Ça fait que. Peut-être parce que quelqu'un a pas cassé un de ses sorts, ça elle le fait pas. Ou alors c'est là. Voilà, c'est là. Il faut surtout pas bouger. Parce que sinon on est envoyé à l'extérieur. Ah là c'est bon. Et à l'extérieur ça pique un peu. Là j'attends son temps de main. Là elle va. Voilà, on se met là. Voilà. Alors, en fait c'est ça, il faut se remettre dans les zones dans l'ordre où elle l'a invoqué. C'est un peu comme Titan avec ses bombes. Titan total. Bon bah elle va tomber GG easy, encore plus facile qu'à Japan Expo. Voilà. C'était trop dur. Un éca très faible, super, c'est vachement rentable. Ok. Tout le monde se casse, c'est super. Par contre ça pourrait garder tous ceux qu'on avait avant le. Allez, on va mettre lui. Hop. Tous ceux qu'on avait avant d'ouvrir la fenêtre. Parce qu'il y a des mecs qui se cassent tellement vite. En même temps, ceux qui se cassent ici, ils s'en foutent. Bon ben voilà. Les journaux, c'est fini. Donc 186, évidemment, ça fait pas beaucoup, hein. C'est pas suffisant. Mon petit arc, où est-ce qu'il en est? On va faire un petit. Oh! Très faible, ah non, mais t'as pas bougé. Je crois que c'était plus qu'avant. Mais apparemment non, mais peut-être que je me trompe. Donc, ensuite. Bah, il est 30, hein, on est tranquille. Hein. On n'a plus de journée à faire. Donc on va attaquer. Il est quoi, il est 2h? Ouais, c'est un peu trop tard pour aller chercher les trucs. Le prochain c'est midi 14h. Donc on va déjà chercher du buff. C'est quoi, c'est du craft? Voilà, vas-y. Quel craft je monte en premier? Comment j'organise ça? Ce que je vais les faire avec des ça. Je suppose que ce sera plus simple et ça rapportera plus. En plus, il n'y a pas besoin de les faire. Ah ouais, en plus, il n'y a pas besoin de les faire épiques et tout. Bon, je suppose si on les fait épiques, on a plus de trucs.
Ah bon là oui. Allez, par contre il y a la valeur de collection, je sais pas comment ça marche pour ça. En fait ça va être à la place de l'épi qui aura la valeur de collection. Ok. On va faire déjà du stuff. Alors on va commencer par ce qui est le plus important pour moi. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? J'en ai aucune idée. Avant c'était je faisais du stuff mais là le stuff sert un peu à rien quoi. Ah c'est vrai qu'il faut voir ceux qui permettent de faire des de l'équipement pour les autres. Ça c'est important. Donc je dirais que ça va être le forgeron. Tissu, il y a aussi des trucs à faire. Hein. En tout cas c'est clairement pas la cuisine, la chimiste ou leur fèvre. Hein. Ça clairement c'est pas ce qu'on va monter en premier. Il faut quoi pour ça? Du riffé en mitrite, c'est quoi de mitrite? D'accord, déjà faut des lingots, donc il va falloir monter ça. Des pipitres. Des pipites. Et du lingot. Donc, je pense que l'important premier, ça va être le forgeron. Bah, ce forgeron, l'armurier, je sais plus. Le forgeron. Donc le forgeron, il va falloir qu'on fabrique. Hop, des patas en mitrite. Des patas. Je sais pas ce que c'est que des patas, mais on va en faire. Patas en mitrite, il nous faut de la pépite de mitrite, ok, du lingot de cobalt, c'est easy, et du rivet de mitrite. D'accord, on va falloir former plein de mitrite. Alors la pépite de mitrite, ça se fait où? La minerai de mitrite, c'est ici. Hauteur du Coertas occidental, ok, hauteur du Coertas occidental. On va aller là-bas. Et ben on va farmer de la mitrite. Ok, alors hop. Donc, ah oui, mais c'est où ça peut être... Ah oui, non, mais c'est les nouveaux. Ça là, nouveau. Ah oui, peut-être que je prenne mon mineur. Hein. Arrêtons de faire de la merde. Voilà, ça ira déjà mieux. Et. Bon, faut que j'attende que le truc de géologie se reset. J'avance hein, mais je sais pas vers où. Hop, alors mitrite nord 664 341 ça va être par là quoi. On va surveiller. Ah, on se parle là. Zedizi. Alors, un inconnu, c'est lequel? Plouf, plouf, plouf. Bon, déjà, on va foutre ça. Ça lui passe à 75%. Des Larimar. Et les Mormorions, d'accord, c'est pas du tout ce que je voulais, hein. Mais c'est pas grave, on va en récolter, ça doit être dans un filon spécial, de toute façon, on va faire le tour des 6 filons, et on verra bien où est-ce qu'il est. Ah voilà, il est là, et puis forcément j'ai plus mon buff, parce que je suis à quoi que 200, ah si je peux le lâcher, allez hop. Ah, minerai de mitrite, bon bah voilà, maintenant on récupère ça en masse.
Quand j'aurai nouveau DPR, je pourrai foutre la récolte royale 2. Normalement, c'est ça, il me semble. Pour en récupérer par paquet 2. Là-haut. Oh mais arrête d'en louper! Oh puis il le change de place à chaque fois, c'est pas chiant. Avec le griffon, ça marche toujours. Ouais, bon, on va désaggro un peu le truc là parce que. Casse-toi! Casse-toi! Merci! Ouh, ça c'est nouveau ça! Ça c'est nouveau. Tiens, on va la faire tout à l'heure. Hop. Et puis là on va faire des cristaux de glace parce qu'il va falloir des masses des cristaux, je le sens. Hop. Puis au pire si j'en ai trop des minerais, je les vends. Ça se vend une petite fortune. Surtout maintenant que on les utilise à fond. Ok, suivant. Par là-bas. Allez! Hop. Et donc s'il n'y a que 3 mitrites tous les 5 km, on n'a pas fini. Hein. D'ailleurs je vais activer ma science des machins là. Ah oui d'ailleurs, ah bah, ouais. Ouais, en fait je peux pas utiliser la récolte royale parce que je vais en avoir besoin pour de mes PR pour choper les trucs qui font plein d'XP. Science des minéraux, voilà. Pas 10 minerais. Histoire de... De voir quand ça pop. Bon, après, ça tourne toujours dans le même sens. Hein. C'était celle d'avant, celle-là, hein, là où il y a le perso, ouais, c'est ça. Donc, faut juste que je retienne c'est quoi le triangle et puis voilà. Oh, mais allez, hein, de louper! Faut que j'aille choper toutes mes quêtes de métier, je pense. On verra. Je pense que c'est là-bas. Bah ouais, comme d'hab. Bah, c'est un peu plus haut. Voilà, c'est à côté du moulin.
loupé. J'ai pas encore eu de HQ, je crois. Hein. Non. T'as des chiffons là. Ah, je donne carte au trésor. Oh là là, jeter, c'est bon. Hein. Je sais pas ce que c'était cette carte au trésor, mais c'est pas grave. Terre du cœur, tasse occidentale. C'est là où je suis. On va aller la faire, elle est là-haut. C'est celle-là, hein. Ouais, c'est là. Bon, faut j'attendre que je récupère... Que je récupère le bordel, mais sinon elle est là. Ah, c'est ce truc. Bon, on verra bien. Alors, bon, alors avant de le découvrir, il faut que j'attende parce que après il y a un décompte. Donc je... Ah, bah c'est bon, il y a tout le monde. Ah, non, il n'y a pas tout le monde. Ouah, il y a le principal, allez hop. Oui, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça, ça, excavation. Hop, donc là je cherche. Foum, voilà, maintenant j'ai 5 minutes pour la clear. Évidemment, si on meurt, c'est la mort. Ah oui, il y a du monde là quand même. Hein. Ah merde, c'est pas vrai. Ah, allez, merci. J'aurais peut-être dû appeler Chocobo. Ah, puis il y a du monde qui peut... Ouais, on va appeler Chocobo. Rien que pour le heal, ça sera utile. Ça va, les ZAD, ils meurent vite. Ça va. C'est pas si la mort. Ça va. Trop de tête de merde. Ah oui, c'est ça aussi, moi. Ah, j'ai oublié. Vu que j'ai tellement l'habitude d'en voir lui. Et merde. Non mais arrête, arrête de focus tous les mauvais là, c'est chiant le jeu. Là, ouvrons le truc. Waouh, une carte secrète, cool. Donc 10 machins qui me servent à rien. 2000 gils. Oh putain. Ah oui, c'est plein. Des rivières mitrites, c'est bien, j'en ai besoin tout à l'heure. Des potions draconites, ouais, on va la vendre. Une carte secrète, bon voilà, des chiffrés. Hein. Nosca occidentale, super. Bon, on la fera plus tard. Du morin, du lamériate, bon ça on pourra récupérer plus tard, projeter. Hein. Ah. Ça aussi, je vais juste garder le celui-là parce qu'il est HQ. Hop, on repasse en mineur et on retourne miner. Ah merde, du chocobo, dégage chocobo. Je t'ai appelé 30 secondes, mais c'était juste pour que tu prennes de l'XP. Alors. Il est où ? Là il y en a un, mais il est où l'autre ? Ah, où j'ai déjà fait ? Peut-être. Je me souviens plus trop. Ok. Hop. À part là-bas. Hop. Oui d'ailleurs oui il y a des quêtes de il va y avoir des quêtes de classe puisque ils ont inventé les jobs pour les classes, enfin, les systèmes de enfin, c'est pas vraiment des jobs mais c'est juste on a des cristaux maintenant
pour les classes de craft. Et il faudra en choisir 3, je crois. On pourra pas tout faire. Ça, c'est chiant, j'aime pas. What? Pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un proc chelou, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ah, il est là-haut. Ardeur, l'armitrite, hein, toujours. Oui, j'en farde beaucoup parce que je sais qu'il en va en valeur 3 tonnes. Ça. J'ai l'habitude du minerai, il en faut toujours 10 000. Si je pas regardé combien il en fallait pour faire les rivets, alors, peut-être 2, peut-être 3, je sais pas. Ça peut vite aller très très vite. Les cristaux aussi, on va en former pas mal. Ça va être chiant, on va se faire chier. Hein. Voilà, j'ai dépassé. C'est encore proc. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui provoque ça. C'est quand même vachement mieux quand pendant la journée on a un truc super court à faire. Hein. On a plein de temps ensuite. Ok.
10h, ok, encore 2h, ça pop. Par là-bas, toujours le même sens. Hein. Oula. Ah, un petit proc là. Ouais, pour mieux, hein, c'est. Alors, je sais pas, c'est aléatoire, hein, de temps en temps, pauvre, ça proc. Il y en a entre 1 et 3 récoltes en plus. Non, 1 et 2, bon, je sais plus. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Ah, mais bonus, ah oui, c'est marqué en fait. Aléatoirement, il peut y avoir un bonus. C'est bon à savoir, hein. Il y a 99 à ces trucs hein, quand même. On commence à craft. Ah oui, je voulais aller voir mes servants, je suis complètement zappé. On verra ça plus tard. Alors 44, bon, celle-là, et ensuite on va se préparer pour le pop. Tout que, en une semaine, j'ai oublié ce qu'il faut faire.
tout cas, je sais que j'ai pas le niveau pour faire du 400+, donc on va faire du safe. Sinon, ça sert à rien. Oh, 3. Hein. Ok. Alors. Faut descendre dans le trou, hein, on avait dit. Le trou, oui, là-bas le trou. Après, on ira faire suite 14h. Et ben où qu'il est. Casse-toi toi. Oh, il est où le truc là? Super, je l'avais activé, mais je l'ai désactivé. Ah mais oui, je m'étais... Oh mais quel con, je m'étais refoutu en barde forcément. Alors où est-ce qu'on est? Là en bas. Alors, on prenait ça, c'était le deuxième. On passait en mode comme ça. Comme ça, voilà, on faisait... œil perspicace. C'est évaluation, hein, je crois. Non, ou évaluation et perspicace, je sais plus. Ouais, c'était perspicace. Hop. Évaluation. Évaluation. Là. Évaluation. De la merde, non, ça déclenche pas. Donc on peut monter jusqu'à 3 quand même. Ok, on va prendre mon botaniste et on va aller à l'autre. Pour l'instant, je vais pas regarder où était le troisième, donc pour l'instant, on va pas le faire, hein. Parce que je ne suis pas prêt. Je suis pas au niveau 52, de toute façon. C'était où l'autre? C'était à la peine. C'est pas la peine. Hop. Décoller. Déjà, je voudrais science et végétaux. Et on va par là-bas. Bon, c'est vrai, faut pas que je trouve que je me plante parce que. Alors oui, alors, déjà pas comme la dernière fois, on se met en mode invisible. Bon, il est à peu près par. Par là. Je sais plus où exactement, on va attendre. Hop! Alors.
Puis après, on fera la pause que je vais chercher à boire. Parce qu'en fait, il fait très chaud. Il faudrait pas se déshydrater. Alors. Hop, ok, un follow, bah merci pour le follow, hein. Je sais pas si t'es encore là. Après, oui, non. Alors, ah oui, c'est bien quand je tourne la caméra super vite, ça ramasse quand même. 44. Oh, il y avait des ours par ici, il me semble, normalement que ça pop. Au milieu des ours. Quatre, 55, il faut que je me fasse un petit tableau. D'où pop chaque truc à quelle heure, parce que ça va vite devenir bordélique. Ça là ça va, il n'y en a que deux. Le troisième, je sais pas encore où il est. J'ai pas cherché. Ok, c'est par là-bas. Alors on va se remettre en... Voilà. Ah donc, toujours le 2. On lance ça. Ensuite, œil. Évaluation. Évaluation. Alors, on retente ou on retente pas? Évaluation. Oh, c'est pas sympa. Récolter. Oui. Et merde. Bon, tant pis. On va pas prendre ça. Bon, j'avais besoin de jeter les deux en fait. C'est pas grave. Ok. On se casse. Et on va refourguer ça. Si. C'est à Udilier, hein, je crois. Hein. Non, c'est à Mordona. Ça, on fait ça. Et je vais pouvoir aller vite chercher à boire. On est là. Oui, non, mais invisibilité, ça va aller, hein, y a plus besoin là. Madame, j'ai des trucs à vendre. Ah, donc, je pourrais voir. Putain, il a l'air gros ici, le griffon. Ou c'est un. Ouais, non, mais il triche, un gros perso. Ça, c'est dégueulasse. Les gros persos, ils ont des plus gros pets. Non, je voudrais d'abord donner des choses. Ah. Alors là, on est pas beaucoup. Et pas des masses non plus, hein. Ah, je suis coincé, au secours. Alors, mes petits servants. Merci. Encore du merdier dedans, hein.
Hop, et 21 000. Oh. Là aussi, il y a de la merde, je suppose. Ouais, ça va. Il reste pas grand chose dans celui-là. Liste des tâches. Non, ben, c'est pas toi. C'est laquelle qui est revenue avec des trucs. C'est toi. Voilà le rapport de la tâche. Tu me ramènes quoi? Deux caca. Ah, oh, quoi que ça. Non, ça sent autre chose. Et de la peau d'icro griffe caca. Bon. Cool. Je trouve que ça se revend plus, la body faux griffe, il y en a tellement en vente que... Non mais en fait... Ah arrête. Bon. Doucement avec la mallette, hein. Voilà, bon. Les pots, c'est pas ici, c'est super. C'est par là. Voilà. Et ça, je vais le refourguer au mec là-bas. Ouais, bon. J'ai fait une minute de pause pour chercher à boire. A tout de suite.